Une citerne d'eau déposée en hélicoptère par la métropole à Roquebilière comme un symbole de la vie qui reprend dans cette vallée très touchée. On apparaît au plus pressé. La plupart de nos familles sont pourvues en eau, en électricité, et nous avons restauré également les moyens de communication. Cette citerne va permettre de brancher l'eau courante, puisque ce que nous faisons ici, nous le faisons partout où il n'y avait plus l'eau courante. Plus loin, dans la vallée de la Tinée, un constat, les travaux pour détourner le fleuve avancent très vite. Ce soir, une buse aura été posée pour faire écouler les eaux et la piste aménagée pour passer par-dessus la buse. Ce qui fait qu'à partir de demain matin, la Tinée est ouverte à la libre circulation. Dernière étape, Tende, toujours coupée du monde. Dans cette vallée dévastée, le président de la métropole, qui est aussi président du conseil d'administration de l'hôpital, était aujourd'hui très attendu. On compte vraiment sur toi. J'ai pas d'autre sidérurgie, on a que ça. Les emplois, les familles, c'est dans les hôpitaux. Je suis ici pour ça. Direction l'hôpital, où le personnel est toujours sous le choc de l'évacuation en pleine nuit des pensionnaires de l'EHPAD. Les patients ne sont pas des objets qu'on déplace. Ils ont été réveillés en pleine nuit, on les a amenés ici et ils ont été totalement coopérants pour leur bien-être. Tout le monde était très structuré, très mobilisé. Et en ce sens-là, la peur laisse place à la motivation et à la volonté. Nous avons 500 emplois dans le milieu hospitalier et parahospitalier. Mais ce n'est pas que les emplois, c'est aussi ce que représentent ces familles pour les écoles, pour les commerces. Donc, on avait besoin de réconfort. Ce soir, des promesses ont été faites, mais ici, les craintes sont immenses et il faudra du temps pour retrouver la sérénité.